Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ici, nous allons voir comment s'écrit la lettre Shin. La lettre Shin est une petite lettre qui est au-dessus de la ligne. On va commencer ici par faire la boucle, la première. Ensuite, on va remonter au milieu légèrement. On va repartir pour en faire une deuxième. Comme ça. Et là, on va venir l'attacher avec le reste des lettres. On viendra placer les trois points du shin au-dessus des boucles, à cet endroit-là, exactement. Toujours le shin à trois points. Et si on met la fatha, ça va donner le son sha. Sha. En milieu de mot, le shin s'écrira de la même manière, sauf qu'on l'attachera avec ce qu'il y a avant. Donc on va partir ici, et ensuite on va faire les deux boucles. De cette manière, d'un seul trait. Et ensuite, on l'attache avec ce qu'il y a derrière. Et à la fin, on rajoute les points. Les points ne se mettent jamais en premier. Si on met une kasra, ça va donner le son chi. Cha, chi. Et en fin de mot, il y aura une petite différence. On va l'attacher ici avec ce qu'il y a avant. On va faire comme précédemment, c'est-à-dire les deux boucles. Et ensuite, dès qu'on arrive ici, on va descendre en dessous de la ligne pour faire une plus grande boucle toujours sous la ligne. Comme ça. Et on va remonter. Et ensuite, on mettra les trois points. À cet endroit-là. Toujours les points se mettent ici. Et on n'aura pas le droit de mettre les points là. Alors si on met la Dhamma, ça va donner le son chou. Chou. Donc voilà pour la lettre Sin.